Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Unboxing, bien sûr, comme vous avez vu dans le titre. Alors, unboxing Diamond Painting aujourd'hui, qui vient de la boutique Diamond Art Gif. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens utiles et nécessaires en barre d'infos. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai pris de beau? Qu'est-ce que j'ai choisi de beau? Alors, d'abord le kit, je vais vous montrer un kit de DP. Il y a un kit et deux accessoires. Voilà. Il fait chaud. Très chaud. Alors, le toolkit, comme d'habitude, ça on n'en parle plus. Alors, par contre, il a un petit peu pris cher au transport, mais bon, c'est pas très grave. Un petit coup de fer et ça ira mieux. Je vais vous montrer après. Alors, c'est un 40-50 cm avec 25 couleurs. Et ce sont des perles rondes. Je vais vous montrer, comme d'habitude, pour commencer, les perles. J'aime bien laisser le suspense. Alors, les perles sont rangées dans des sachets zippés. Ça, c'est bien. J'aime bien les sachets zippés. Bon, j'ai la mèche folle ce matin. Allez, on va peut-être allumer pour que vous voyez mieux les couleurs. Si je trouve le bouton. Oh là là. Hop, viens là, toi. Oh, oh, ça pique. Alors, les couleurs. Hop. Alors, on va montrer comme ça. On va essayer de ne pas trop flouter. Ça, c'est quoi? Ah ben, c'est le noir. Il n'y en a pas beaucoup, donc c'est bien. Un bleu marine. Alors, je ne sais pas du coup si la lumière est un peu trop forte, mais bon. On va se mettre là. Voilà. Donc, les perles sont propres, hein, il n'y a pas de problème dans le sachet, il n'y a pas de poussière, il n'y a rien, il n'y a pas l'air d'y avoir de perles abîmées. Comme ça, au premier coup d'œil. Hein. Les jolies couleurs. Il y a du bleu, il y a du bleu, il y a du bleu. C'est chaud. En plus, je reviens chez le docteur. Je vous en parle, je vous le dirai après. Hop. Allez, du marron rosé. Bon, là, ça fait pas très. La couleur n'est pas très bonne à la caméra. Bon, faut que je fasse avec la main gauche. Hein. Pas ici un gros paquet de gris. Dans les tons marron rosé, on va dire rouge violet. Et pour terminer, un marron comme ceci. Voilà pour les perles. Bon, je vais les mettre là. Je les rangerai après pour éviter de faire du bruit. Le kit maintenant. Alors, comme je disais, il a pris un petit peu. Il n'est pas. Attendez, je vérifie. Non, le kit en lui-même, ça va. Il faut juste que je lui redonne un bon coup de fer. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Voilà le kit. Une indienne avec des loups, des gros loups. Il est vraiment très beau. Alors, quand j'ai fait mon choix, j'avais renvoyé ce choix-là. Et il m'avait renvoyé un message comme quoi il n'avait plus en stock. Et donc, quand j'ai choisi pour remplacer, le stock était revenu chez eux. Du coup, ils m'ont demandé si je voulais quand même celui-là. J'ai dit, bah oui. Voilà. Alors,
voyez, ça floute. Non, vous voyez, il y a des tout petits traits là, mais c'est pas très grave. C'est pas vraiment, c'est pas les rivières, hein, c'est juste parce que c'est un peu chiffonné. Voilà, ça colle bien. Vous voyez, il a été, il a, oh, je, vous voyez un petit peu, mais c'est juste au pliage ça. Un bon coup de, déjà enlever la toile plastique, la remplacer par un papier sulfurisé. Parce que bon, ces feuilles-là de plastique, c'est vraiment pas top, je trouve. Donc vous mettez une feuille de papier sulfurisé que vous avez dans votre cuisine, hein, ça suffit. Et moi j'ai une petite raclette blanche en plastique, donc je relisse un peu. Et si encore besoin, je redonne un petit coup de fer, voilà. Mais là, bon, c'est vraiment juste des petits défauts à cause du plastique qui a été mis au-dessus. Donc, rien de grave. Sinon, c'est bon. Donc, sinon, il colle bien. Hein, hop. Et la toile, elle brille. Donc, voilà. Ça, c'est le kit. Ça y est, je ramasserai après. Ensuite, alors, j'ai pris un kit, un accessoire, voilà. Hop. Voyez, il y a des sachets, il y a des pochettes classeurs, je vais vous montrer ça en détail. C'est pour ranger les perles qui peuvent vous rester à la fin d'un kit ou quoi. Donc déjà j'ai un gros paquet de sachets, alors je sais pas combien il y en a dedans, ils l'ont pas marqué, non, mais bon, j'ai un gros paquet de sachets, voyez. Bon, je sais pas combien il y en a, 50aine peut-être, je regarderai sur le site si c'est marqué. Donc voilà, là ce sont donc les petits sachets zippés pour vous remettre vos perles dedans, voilà, les petits sachets comme ça, hein. Ensuite, on a, alors là j'en ai, je vais les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y en a 10. J'ai 10 pochettes comme ça, voilà, et vous allez glisser vos sachets, hop, vous voyez, ici. Donc là, vous avez la place pour mettre 4 sachets. Et donc, il y en a 10 en tout. Donc, ça, on peut les ranger, vous savez, dans les petits classeurs d'école qu'on avait avant. Pas les grands, hein, les petits. Bon, c'est vrai que les petits, on en trouve un peu moins, je pense. Enfin, bon, j'achète plus de fournitures d'école. Mais enfin, c'est le moment, donc, à voir. Et donc, ils sont percés. Voilà, vous voyez. Hop, 3 et 3 trous, ici. Ensuite, dans ce kit, vous allez trouver une feuille de petite étiquette blanche. Voilà, les stickers. Et là, par contre, ça a été plié. Ça, c'est pas plié, c'est pas bien. Alors, attendez. Hop. Je remets ça bien. Parce que du coup, ça s'est décollé un petit peu. Je remettrai dans un livre pour que ça se remette bien droit. Allez, viens là, toi. J'en ai une qui se barre. Vous vous demandez c'est quoi qui se barre, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Ah, j'en ai un qui s'est barré. J'arrive, j'arrive, hein. Ne vous inquiétez pas, hein, je suis là. Hop, allez, recolle-toi. Ouais, je les mettrai à plat sous un gros livre. Pour que ça se remette bien. Et une planche donc de stickers numérotés. Alors ça va du 01 au 3866. Et vous avez également 3 étiquettes. Voilà, ici, marqué blanc et cru et le B5200. Donc ça c'est le blanc. Voilà. Donc pour coller sur vos petits sachets.
comme ça pour vous savoir ce que c'est comme numéro de perle. Bon, là je vais le mettre à plat parce que comme il a été plié au milieu, j'ai des étiquettes qui veulent se barrer. donc voilà, vous avez ça, vous avez ça, les petites pochettes plastiques et les sachets zippés. Voilà, donc c'est pas très cher hein, ça. Le lot coûte 4,99 €. Donc voilà, hop, on le met sur le côté et il me restait moins d'un, il me restait 1 € à prendre. Bon, il n'y avait pas grand chose hein, à ce prix-là. Alors attendez, je cherche le bout. Est-ce que j'ai un ciseau là? Oui, j'ai un ciseau, ça ira mieux. Voilà. Bien emballé, hein. Bon, là, c'est le tout petit gadget hein, qui perd ses poils. Voilà, c'est juste une petite brosse comme ça. Pour brosser vos perles quand elles sont collées, pour la poussière, s'il y a de la poussière dessus, voilà, avant de vernir, par exemple, si vous vernissez, ou avant d'encadrer, voilà. Donc, mais bon, elle perd un petit peu ses poils. Hop, voilà. Ah non, c'est pas perdre ses poils, c'est des poils un peu plus longs que la brosse. Hop, on lui fait une petite taille. Et voilà. Donc voilà, une petite brosse comme ça. Mais bon, je vous dis, il me restait, sur mon budget partenariat, il me restait 1 € à prendre. Donc j'ai choisi ça. Bon, voilà, ce petit gadget. Donc ça, c'était 99 centimes. Donc voilà. Pour ce unboxing, donc je rappelle le nom de la boutique, c'est Diamond Art Gift. J'ai reçu ça, alors on est quoi? On est le 18, je crois. Ouais, on doit être le 17 ou le 18. Et la première communication avec eux, c'est faite le 5 juillet. Donc, vous voyez, bon, bah, comme d'habitude, hein, une petite quinzaine de jours à peine pour recevoir. Et encore, ça a mis beaucoup moins puisque j'avais reçu donc les emails que l'article n'était pas en dispo. Ouais, non, une dizaine de jours que ça a mis pour arriver. Donc, c'est bien. Donc, voilà. Alors, moi, je vais vous remettre en barre d'infos le lien de la boutique, le lien du kit, le lien de la petite brosse et le lien du kit de stockage de perles. Donc, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Quoi vous dire de plus? Allez visiter la boutique, voir s'il y a des choses qui vous plaisent, pourquoi pas. Et nous, on va se retrouver bah, très rapidement, donc pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. Petit unboxing aujourd'hui. Allez, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. À bientôt, bisous bisous.